Bonjour. Je viens de la part du père Benoît, il m'a dit que vous louez des chambres. 200 euros, cash and before. C'est bien ici alors. J'ai eu peur de me tromper d'adresse. Combien qu'il en faut? Une cartouche, c'est possible? Ça marche la clope, hein? Ça permet d'arrondir. Vous avez pas entendu des voix? J'ai vu un cow-boy. Un cow-boy? Qui me regardait. Wow! Wow! I'm Elvis, king of rock and roll. C'est l'histoire de Mireille. Qui, à 18 ans, était passionnée de poésie, a suivi un mec et qui est restée sur une douleur parce qu'en fait, ce n'était pas le mec qu'elle pensait. Une douleur. Et 40 ans après, elle revient dans la maison familiale et c'est peut-être l'occasion de se reconstruire. Et ça, on verra comment. Parce que l'origine de ce film, pour moi, ce que j'appelle mon cheminement, je voulais parler des faussaires. Donc c'est loin de ce que je raconte, puisque je suis à tricoter quelque chose entre les deux. Je voulais parler des faussaires, et des faussaires dans la vie, des multiples manières d'être faussaires, ou de tricher avec la réalité pour se la rendre simplement plus belle. Et donc tous les protagonistes de ce film trichent avec ou leur véritable identité, ou trichent dans le but de rêver. Et donc il y a des phrases clés dans mon film qui sont « Sans les faussaires, la vie serait vraiment triste ». Je suis partie du côté joyeux des faussaires. Et puis en même temps, pour raconter que parallèlement à ça, on vivait dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus difficile de rêver pour les enfants qui arrivent, pour les adolescents, de se projeter. Or que nous, on pouvait le faire dans les années 70, on pouvait se projeter dans l'avenir, se dire qu'on allait vers un mieux, je pense qu'on va vers un pire. Et c'est cette absence de rêve que je trouve terrifiante. Et je me dis, il faut bousculer un peu les choses, qu'est-ce qui peut nous faire rêver? Pour moi, c'est l'art et l'amour. C'est ça qu'il y a dans le film, à travers l'histoire de Mireille qui revient. Moi, j'ai un cerf, il n'est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme. Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. Je voulais, au départ, que ce film soit comme une fable ou un conte. Je ne sais pas le terme qui convient le mieux. Mais donc, la fable, comme le conte, suggère pour moi des paysages un peu enchantés. Hansel et Gretel qui cherchent leur maison dans la forêt, en plein d'épices. Il y a des couleurs, comme dans les livres d'enfants. Et je trouve que Irina Lubchanska a fait cette lumière absolument magnifique le long de la Meuse, qui est déjà un paysage en soi un peu féerique. C'est une vallée encaissée avec des bois. Et puis, Irina a bien su tirer parti de tout ça et aller vers ce que j'appelle le conte. On part de quelque chose de réalisme et j'aime bien aussi imaginer le cinéma comme étant un support pour avoir plusieurs manières de raconter les choses. Et donc, de l'envisager comme de la peinture, ou par exemple, quand ils reviennent du mariage, ils se suivent à la queue leu-leu. Moi, je pensais à Pina Bausch. Et je me dis, mais on peut s'autoriser plein de formes d'expression avec l'image. On n'est pas que dans les mots, que dans la vitesse des mots, de ce qu'on veut dire. Ce que j'aime bien au cinéma, c'est que on peut dire « passe-moi le sel » et avoir envie de dire « j'ai envie de te tuer ». Je veux dire, tout est possible, ce n'est pas une écriture littéraire. Et donc, il y a plein de formes possibles pour raconter les choses. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a une certaine poésie dans le film, pas parce que je mets la poésie en avant, je la mets comme la peinture ou l'amour, l'art, comme quelque chose qui nous élève. Mais s'il y a poésie dans le film, c'est peut-être plus parfois d'être surpris dans la manière de raconter des choses. C'est vrai que tu as fait de la prison? C'est vrai. T'as vu où t'en es? Boniche, avec une licence de lettres en poche. Toi, t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud? La réalisation, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. J'adore mon métier de comédienne, j'adore. Mais dans un film, il y a la continuation de ce que j'ai toujours fait en tant que comédienne, c'est-à-dire raconter des histoires. Mon fil rouge, c'est ça. C'est raconter des histoires, raconter les gens, raconter le siècle dans lequel on vit. Et
faire un film. C'est un art collectif qui est fait grâce à tout un chacun. Alors, on est maître du bateau, on amène l'idée, on amène beaucoup de choses, mais après, c'est vraiment c'est une équipe, c'est pris en charge par tout le monde, c'est incarné par des acteurs, on est aidé par la technique, sans qui on ne serait rien. J'ai tellement rêvé de cet instant-là. T'as mis le temps. Je suis bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus, subversif.